Universal Pictures et Imagine Entertainment présentent un film de Ron Howard. Mais tu vois quoi alors? Je suis venue vous inviter à être notre charivarois de Noël. Vous acceptez? Non, oui, non, oui, non, oui. Ça pourrait changer ma conception de la vie. Vous croyez? Non. Tell you the story of my first love. It happened at Christmas time. Le docteur Stephen Finch vivait bien tranquille. On a toujours tous le même pull sur la photo de notre carte de Noël. Jusqu'à l'arrivée de son nouveau voisin. Oui. Voisin contre voisin. Là, on va peut-être tomber d'accord tous les deux. Chérie, je peux être ton papa Noël? Papa? Seigneur, je suis ton papa. Les yeux! Dans cette sympathique petite ville, vivait la charmante famille Crank. Ils fêtent toujours Noël ensemble. Mais cette année, leur fille ne sera pas avec eux. Ça ne sera pas pareil. La petite Blair va nous manquer cette année. Luther eut alors une idée. On oublie Noël. Hein? Comment ça, on oublie? Nous avons dépensé 6 100 $ l'année dernière. Avec l'argent qu'on va économiser, on n'a qu'à aller bronzer sous le soleil des Caraïbes. C'était un peu osé. Allô? Maman, papa, j'ai changé d'avis. Je viens passer Noël à la maison. Quoi? D'après le best-seller de John Grisham. Il ne nous reste que 12 heures. Bref, nous allons accomplir un miracle de Noël. Je récupère le jambon. Tu coupes le sapin. Tim Allen et Jamie Lee Curtis. Qu'est-ce que tu fabriques, Walter? Un Noël de folie. Peut-être qu'on pourrait avoir le Père Noël en entier. T'es toujours pas au courant, c'est vrai? Personne n'a jamais vu le Père Noël! Dis-moi que t'es en train de filmer. Tu réalises à quel point c'est extraordinaire? Il faut que je regarde ça de plus près. T'es folle ou quoi? Chiotte! Tu crois qu'il nous a vus? J'ai pas l'impression. Wow! Plus haut, Cupidon! Allez, comète! T'es le Père Noël. En chair et en os. Une seule nuit par an. Tu peux faire ho-ho-ho? Je ne fais pas ho-ho-ho. C'est un mythe. Bonjour, moi c'est Paola. La journée, je suis une maîtresse d'école tout à fait ordinaire. Et eux, ce sont mes adorables élèves. Et puis, il y a lui. Paola, veux-tu m'épouser? Oh, excuse-moi. Mais j'apprécierais davantage mes journées si mes nuits étaient un peu plus normales. Parce que tous les soirs à minuit, je deviens la sorcière de Noël. Et puis, il y a lui. Je ne supporte plus de le voir bien habillé dans son costume de velours rouge. Il se déplace confortablement dans un traîneau et a à sa disposition une armée entière de lutins bien obéissants. Sale machiste. La maîtresse. À l'aide! Non, lâchez-moi! Il y a personne, on dirait. Venez voir ça! Oh ben ça alors? C'est pas possible. La maîtresse est la sorcière de Noël! Mais je peux savoir qui tu es. Pourquoi tu ne vas pas t'en prendre au Père Noël, hein? J'en ai rien à faire de ce gros-là et de sa barbe. Tu devrais te regarder. Soit on doit sauver la maîtresse. Soit on doit sauver la maîtresse. Mais si un de tes élèves utiliserait... Utilisait, s'il te plaît, la concordance des temps. Thank you.
Noelle Kringle. Morning, princess. My partridge in a pear tree underwear needs washing. Oh, well, then my Christmas wish has been granted. Christmas runs in my family. My dad was Santa, and now it's my brother Nick's turn to wear the hat. Stocking full of coal if I've ever seen one. He saved a kitten from a tree. Some nice. Noelle, will your brother be ready by Christmas? Of course. He's a Kringle. Look what you're doing. I don't want to do this. No. This is great. No. Let it happen. Ah! This is not going well at all. Sometimes I dream about getting out. Well, you can't be Santa if you're having a nervous breakdown. You need to get away for the weekend. For the first time in 2,000 years, Santa has disappeared. I just said he should take the weekend off. We must have a new Santa. Gabriel Kringle. Me? I'm in the tech department and loving it. What about a rescue mission? Do you mind telling me what you're doing? I'm going to get my brother, and you're coming with me. Stay right where you are. We are looking for Santa Claus. Downward facing reindeer. I said take the weekend. Nobody listens to me. Don't do that, please. Wow, that's a big deal in here. Depuis que tu es revenue au magasin, on a l'impression que tu te fiches de tout. Je suis en vrac. Quand j'étais malade, c'était comme si j'avais perdu quelque chose de spécial. Avant, je chantais. J'avais des rêves plein la tête. Maintenant, j'ai tout le temps peur. C'est rien, c'est normal. Pourquoi moi ? C'était écrit comme ça. Nous avons beaucoup de chance d'être en vie. Lui, il me plaît. Et maintenant ? Bonjour, Jesper Johansson, votre facteur. Monsieur Klaus, vous avez un don. Vos mains sont faites pour fabriquer des jouets. Alors je me suis dit que si vous acceptiez de donner vos vieux jouets, je serais ravi de les livrer gratuitement. Ce soir, je viendrai avec toi. Ce n'est pas la peine de vous déranger, vraiment. À ce soir, alors. Oh. Notre cousin nous a dit que si on écrivait une lettre à Monsieur Klaus, il nous fabriquerait un jouet. Oh. Cher Monsieur Klaus. Cher Monsieur Klaus. On y va ? Ouais. Monsieur Klaus est formidable. Klaus ? Et moi alors ? Oh. Espèce de minable ! Et si moi je suis un minable, alors toi tu es beaucoup trop loin maintenant. Jesper, on va le faire. Allons-y. Attendez une seconde, vous êtes sérieux là ? C'est votre vrai rire ça ? Un petit effort, le temps presse, tous ces enfants comptent sur nous. Je suggère que nous joignions nos forces contre notre ennemi commun. Détruisez ces jouets ! Non, 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 non ! Non ! Ah ! Et pan dans les dents ! Ils sont pas attelés ? Pourquoi ils sont pas attelés ? Je croyais qu'ils étaient attelés ! Je n'aurais jamais, jamais, jamais fait ce que je viens de faire si j'avais su qu'ils n'étaient pas attelés. Eh ben, ça avance bien tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai attrapé chaud, là. Magnus ? C'est un lutin contre une maladie. L'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi ? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C. Tu fais un aller-retour, la pifouf. Boule-la maintenant. Bah oui, là.
maintenant, son temps enfin. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un rein à plat à l'avant. C'est du suicide. Elle est marrante, elle en a les retours, pif pouf. J'appelle à tous les rênes, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Je cherche ton rayon lutin. Oh là là là. Donne-moi 92 000 comme ça. Mais bien sûr. Non. Klaus. Prénom. Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Et ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Ouais. Est-ce que t'as la moindre idée de ce qui va se passer si pour la première fois dans l'histoire de Noël, les enfants n'ont pas de jouets? Non. Si je sauve pas mes lutins, il y aura pas de Noël. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Vite, on n'a plus le temps! Ça me fait réaliser que, que tout n'arrive pas magiquement, comme ça. Qu'il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France l'année dernière. Beau pour moi. On grandit toutes avec ce même rêve. Celui de trouver le grand amour auprès d'un chevalier en armure étincelante et de vivre heureuse comme dans les contes de fées. Le problème, c'est que ça n'existe que dans les contes de fées. Que ça va? N'ayez crainte! J'ai été désarçonné plus brutalement et par des montures plus rapides que votre destrier d'acier! Il n'a pas une égratignure. Mais apparemment, il se prend pour un chevalier du 14e siècle. Messire Cole Christopher Frederick Lyons de Norwich, pour vous servir. Oh purée. Et si Cole était vraiment ce qu'il prétend être? Et s'il y avait des choses qui dépassent notre compréhension? Apparemment, vous avez tous les deux besoin de vous faire examiner. Vous n'êtes pas obligé de partir. Je n'ai pas le choix. Où que vous soyez, je ne veux être nulle part ailleurs. Mais personne ne peut aller contre son destin. Joli réflexe. Prenez garde à vous. Imaginez qu'on vous donne une chance de réparer toutes vos erreurs. Pour les fêtes, les fantômes des Noëls passés, présents et futurs vont offrir cette chance à un homme. Le 25 novembre, Walt Disney Pictures et Image Movers Digital vous invite à découvrir un grand classique, comme vous ne l'avez jamais vu, en Disney Digital 3D. Belle hiverne. Le drôle de Noël de Scrooge. J'ai tiré sur le Père Noël en pleine face. Il existe vraiment et je lui ai tiré en pleine face. Bordel. Vous voulez voir ma chambre? Je suis marié, mais pas lui. Salut, Kumar. Désolé, je fréquente pas de noir. Quoi? Super. Vers qui tu regardes? Merry Christmas. Comment ça se fait que tu es en vie? Mais de quoi tu parles? On t'a vu te faire tirer dessus. Oui, dans ce bordel. Au Texas. Et tu as baisé une pute. Tu te rappelles maintenant? Faut que vous soyez plus précis. Harold et Kumar, fête Noël. C'est casse-noisette. Noël.
Noël est vraiment une période magique. J'aimerais juste avoir quelqu'un avec qui le passer. Les vœux de Noël se réalisent toujours. Oh, je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, pas de problème. Qui êtes-vous? Lady Margaret de la Cour, duchesse de Montenaro. Je suis Stacy de Novo. Je pense que nous étions destinées à nous rencontrer. Je suis censée épouser le prince Édouard le jour de l'an. Je déteste être sous les projecteurs. Tout ce que je voulais au départ, c'était vivre une vie de fille normale. Je veux que nous échangions nos places. Que nous échangions nos places? Je veux devenir vous. Et que vous, vous deveniez moi. Hein? Sérieux? Ce serait uniquement pendant 2 jours. Personne ne s'en apercevrait. Stacy de Novo. Yo, ça gaze! Yo, ça gaze? J'en fais un peu trop, c'est ça? Allez, en selle. Est-ce que ça va? Je veux que vous surveillez de très près la duchesse. Elle a l'air un peu... différente. Désolée, je regrette, ce n'était pas très digne. Ce n'est rien, ça ne m'a pas déplu. Noël est pour moi synonyme d'amour. Je t'ai jamais vue aussi sentimentale. Peut-être que tu ne me connais pas si bien. Oh, je pensais pas que les choses deviendraient si compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les filles, laissez-moi vous présenter l'équipe des cavalières décoratrices. Je vais m'occuper des lumières, des décorations, du lait de poule. Du lait de quoi? Tu vas adorer. Moi, je trouve que le lait de poule, c'est dégoûtant. Je vais organiser un super Noël pour grand-père et moi. Ah, êtes-vous une chorale de Noël? On peut chanter. Je déteste les chorales de Noël. Ou pas. Au cas où tu ne le saurais pas, il y a le fameux bal de ma famille ce soir. C'est un véritable conte de fées. Et moi, je suis ton prince charmant. C'est qui, elle? La nouvelle chérie du père de Mia. Et lorsque je m'installerai ici, les choses seront vraiment différentes, tu peux me croire. Bienvenue au traditionnel grand bal de Noël. Enfin, au pôle Nord, bien sûr. Voici le Pôle Express. Noël. Je
sais ce que tu attends. Sois patient. C'est toi qui mettras l'étoile en haut de l'arbre. Oh, attention! Plutôt, tu dois faire plus attention. Assis. Reste. Bon chien. Et arrête de penser à cette étoile. Allô? Salut Mickey, c'est moi. Alors les préparatifs vont bon train? J'ai presque fini. Ce sera la plus belle fête de Noël de tous les temps. Mickey, j'espère que tu n'as pas encore exagéré. Non, non, j'ai coupé de moitié cette année. Moins il y en a, plus on les apprécie. Tu vas adorer ça. J'ai des cannes en sucre, du lait de poule sans poule. Oh, plutôt. Ce réveillon de Noël a tourné au cauchemar pour ces hommes et ces femmes retenus en otage dans le magasin de vin derrière moi. Balance ça tout de suite! Non, je vais tout larguer! Pousse ça! Qu'est-ce que vous faites dans cette ville? Mon père vivait ici. J'espérais le retrouver. Son équipier et lui m'ont foutu en tôle sans raison. C'est faux! Il avait de l'herbe! Et de quoi faire du cristal, mais... J'ai acheté du déboucheur. L'herbe, c'est à lui. T'es sérieux, là? Les renforts vont bientôt arriver. Ils ont un petit poids à la place de la cervelle. Et vous l'avez relâché? Il s'est échappé. Arrête de tirer. On vous a tiré dessus? Non, on m'a pas tiré dessus. J'ai dit arrête de tirer. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Sortir d'ici vivant. Faites attention. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour que les otages retrouvent au plus vite leur famille. C'est quoi le plan? Je vais prendre une machine à remonter le temps. Vous vous êtes fourré dans un sale pétrin. On peut pas négocier avec un fou. Espèce de brutiste! Bon sang, est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé? Shame on you, Cole. Ça s'appelle haute trahison. Si l'opinion publique apprend ça, participer à des actes pareils avec l'ennemi, alors qu'une partie du pays est durement occupée, là, vraiment. Le pays? Mais qu'est-ce qui sait le pays? Sur ce qu'on souffre ici? Je veux vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux Boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron. Bon, lieutenant, il se passe quelque chose de bizarre en face. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir foutre? Ils ont peut-être marre, les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre. Franchel, donne-moi une bouteille de champagne, mon cas. Ce soir, des hommes que tout oppose ont eu envie de se rassembler, comme on se rapproche d'un feu en plein hiver. Peut-être pour oublier un peu la guerre. Mom, this is Meredith. Lo, you have a lovely home.
All the better to entertain you, my dear. Me. What are you talking about? They hate me. They just met you. Wait until you meet her. Hi. Hey. Hi. Meredith's checking into the inn. And our sister Julie's giving up Christmas with her entire family in order to be with Meredith. Uh-oh. We will try to behave like a civilized family. I'm ashamed of all of you. Well, even you. Cette année, ces animaux héroïques vont devoir sauver Noël. Le nouveau roi est en danger. Le roi Hérode mijote quelque chose. Marie a besoin d'aide. On doit la sauver. Avec une petite diversion ajustée avec finesse. Deux. Beau. Pour aller jusqu'à mes amis, vous devrez me passer sur le corps. Non, c'est quoi ce truc? Quoi, quel truc? Oh oui, c'est vrai, fallait pas que je regarde. Dans les dents. David. Je suis l'oiseau qui tombe à pile. Ah, ah, stop, trop gros, trop gros. Et Ruth. On est presque en bas, plus qu'un petit gouffre. Ah, oh oh. La réception n'était pas très soignée, mais tu te débrouilles. David. Tu es assis sur moi, ça c'est un homme de chien. L'étoile de Noël. Gentlemen, listen up. My dream, since my early childhood, is about to come true. I can proudly say that we are standing on a sacred grave. On the biggest burial mound in the world. This remarkable place puts even the pyramids to shame. It took the Sami people of Lapland centuries to build this mound. You have 24 days to open it. Roll up your sleeves. Prepare the dynamite. Do what you do best. Jako räjäyttää. You have a grave to rob. Le pôle Nord, dernière terre sauvage de la planète. En ce lieu hostile, presque rien ne peut survivre. Bonjour. Moi, c'est Arthur. Circulez. Il n'y a rien à voir. Ce n'est pas le fils du Père Noël. Et je ne suis pas un elfe. Il n'y a rien là-haut. Oh, il n'y a rien là-dessous. Il n'y a pas une armée d'1,600,000 elfes préparant la livraison de 2 milliards de cadeaux en une nuit. Ça, c'est juste des histoires pour les gosses. Est-ce qu'il vous a raconté? Oh, ici, c'est fantastique. C'est Noël tous les jours. Ce n'est pas Arthur. Moi, c'est Arthur. Ce n'est pas le fils de Noël. Le Père Noël n'existe pas. Et il est sorti faire une course de toute façon. Père Noël! Ah, c'est mon père! Et il n'y a aucun gigantesque traîneur volant qui fait des manœuvres de gilipole! Wouah! Oh, un ours polaire avec un casque. Mission Noël.